This morning, by the special grace of God, we will be looking at Genesis 47. Par la grâce de Dieu, nous allons regarder Genèse 47. Genesis 47. Genèse 47. Now, this morning's message will be one in a series of messages. Le message ce matin sera un dans une série de messages. C'est un message difficile à prêcher. C'est un message qui est un peu inhabituel. D'habitude, quand les gens célèbrent, il y a une question que vous les posez. The Bible tells us even in the book of Acts. La Bible nous dit dans le livre de Actes that there was one day that Herod was celebrating. Il y a un jour où Herod célébrait. And the Bible tells us the things that happened there. Et la Bible nous a parlé de choses qui se produisent. Some people say it was commemorating the day he became the king. Certains disent qu'il commémorait le jour qu'il est devenu roi. Certains disaient que c'était sa journée de naissance. Quand les gens célèbrent une fête d'anniversaire, il y a une question que nous demandons quand nous chantons. The question is, how old are you now? La question c'est quel âge as-tu maintenant? But for some reason, pour certaines raisons, when Joseph presented his father to Pharaoh, quand Joseph a présenté son père à Pharaon, Pharaoh had nothing else to speak to Jacob about. Pharaon n'avait pas quelque chose d'autre à dire à Pharaon, à Jacob. All he asked him, tout ce qu'il lui a demandé, was how old are you? C'est quel âge as-tu? It's a question that I have always wondered. C'est une question qui m'a toujours attiré. God knows how old Pharaoh was then. Dieu sait quel âge avait Pharaon. He was probably a young man. Il était peut-être jeune. He probably looked at Jacob. Il a regardé à Jacob. He probably saw that Jacob was still limping from the dislocation that he had. Il a probablement vu que Jacob était en train de boiter de la dislocation où il était. He couldn't imagine how old Jacob could be. Il ne pouvait pas s'imaginer quel âge avait Jacob. Because he looks at Joseph. Parce qu'il a regardé à Joseph. Joseph had been with them now for 9 years. Joseph était avec eux pendant 9 ans. Joseph is at least 39 to 40. Joseph était approximativement 39 à 40 ans. Joseph's brothers had visited. Les frères de Joseph avaient visité. And he knew that some of his brothers were close to 60. Et il savait que certains de ses frères étaient approximativement 60. And so he looks at the father. Il regarde, il paraît comme le père. He says, how old are you? Quel âge avez-vous? Why don't you ask your neighbor, how old are you? Pourquoi ne pouvez-vous pas demander à votre voisin, quel âge avez-vous? I know they won't tell you. Je sais qu'ils ne vont pas vous dire. Especially if your neighbor happens to be a lady. Et spécialement si votre voisin apparaît être. Genesis chapter 47. Genèse 47. I am going to read just a few of the passages, but please, when you get home, I want you to read from verse 1. Je veux lire certains des passages, mais quand vous arrivez à la maison, je veux que vous lisez à partir de verset 1. I'm going to create the scenario for you. Je vais créer le scénario pour vous. The scenario is this. Le scénario est comme ceci. Joseph brings in his brothers. Joseph amène ses enfants, ses frères. 5 of them. 5 parmi eux. He presents them to Pharaoh. Il les présente à Pharaon. He had told them what to say. Il les a dit ce qu'il fallait dire. That when Pharaoh asks you any question, quand Pharaon posera la question, just say we are farmers. Dites que nous sommes des fermiers. Leave the rest to me. Laissez le reste à moi. So I can imagine that the brothers are standing on one side. Je n'imagine que les frères étaient d'un côté. Because they were still there. Parce qu'ils étaient là. Pharaoh was sitting on the other side. Pharaon était assis de l'autre côté. Joseph was standing next to Pharaoh. Joseph était à côté de Pharaon. So I want you to picture. Je veux que vous figurez. So Joseph snaps his finger. Joseph kicks ses doigts. They bring in his father. On amène son père. It takes time for the man to walk across the aisle. Ça a pris le temps à l'homme de s'approcher vers l'allée. Because he's old. Parce qu'il est vieux. By now, Jacob is 130 years old. À ce moment-là, Jacob a 130 ans. Now the Bible says in verse 7. La Bible dit au verset 7. It says, then Joseph brought in Jacob, his father, and set him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. Verse 8. And Jacob said and Pharaoh said unto Jacob, how old are you? Verse 9. And Jacob said unto Pharaoh,
The days of the years of our pilgrimage are 130 years. Few and evil are the days of the years of my life been, and they have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. Verse 10. And Jacob blessed Pharaoh for the second time and went out from before Pharaoh. That small part that is summarized in three verses, cette portion qui est résumée en trois versets, is a discourse that I believe by the special grace of God can take hours. C'est une discussion dont je crois par la grâce de Dieu peut prendre des heures. Pharaoh has asked a very unusual question. Pharaon a posé une question inhabituelle. So Jacob is going to give him a very unusual answer. Jacob est prêt à donner une réponse inhabituelle aussi. In the process, dans le processus, I can imagine Jacob asking Pharaoh. Je peux imaginer Jacob a demandé à Pharaon. I know it is not usual to sit in the front of majesty. Je sais que ce n'est pas facile de s'asseoir devant la majesté. If you will pardon me, sir. Si vous me pardonnez, monsieur. I am an old man. Je suis un monsieur vieux. I can't stand for long. Je ne peux pas me tenir debout pendant longtemps. And I can imagine Pharaoh asking them. Je peux imaginer Pharaon demandant. So say, don't worry. Ne t'inquiète pas. Let's get in the chair. Allons-y. And then when the chair comes, et quand la chaise est venue, the man sits. L'homme s'assoit. And some of you are expecting me to get a chair down and sit. Et certains sont en train d'espérer que je prends la chaise pour m'asseoir. And so since you are expecting me to get a chair and sit, I'll get a chair and sit. Parce que vous espérez que j'ai une chaise pour m'asseoir. The only difference is that I'm not 130 years old. Yeah, you can get a chair. La différence c'est que je n'ai pas 130 ans. The only difference is that I'm not 130 years old. Je n'ai pas 130 ans. But, mais I can imagine Jacob sitting. Je peux m'imaginer Jacob s'asseoir. And on that chair, he tells Pharaoh. Et sur cette chaise, il dit à Pharaon. He says, "How long do you have? Combien de temps as-tu?" I don't think they had the mechanism that my chair has in those days. Je ne pense pas qu'ils avaient le mécanisme que ma chaise a. But I can imagine that Jacob sat something like this. Mais je peux imaginer que Jacob s'est assis pareil. Looks at Pharaoh. Il regarde à Pharaon. He says again, "The Lord bless you." Il dit encore que le Seigneur te bénisse. It looks like Joseph standing beside him. Il regarde Joseph qui était à côté de Pharaon. He says again, "God bless you, my son." Il dit encore que Dieu te bénisse, mon fils. It looks like everybody else. Il regarde à d'autres personnes. He says, "Listen to my story." Il dit, écoutez mon histoire. Jacob is going to answer the question now. Jacob va répondre à la question maintenant. He says, "Oh, King, you have asked me a very unusual question." Il va demander une question inhabituelle. He says, "This question may bring tears." Cette question a amené les larmes. The question may convict. La question, the question is about my life story. La question c'est à propos de ma vie. Said, "But you have asked of it, and I will tell you." Parce que vous avez demandé, je vous l'ai dit. If we can't finish today, we will continue next week. Si nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine. "But everybody that is here needs to hear this story so that they don't make the mistakes that I made." Tout le monde qui est ici doit écouter mon histoire pour qu'il ne commette pas les mêmes erreurs que j'ai commises. So he looks at Pharaoh again. Ça, il regarde à Pharaon. And Pharaoh says, "Go ahead." Et il dit, et Pharaon dit, vas-y. "Tell us the story." Dites-nous l'histoire. It is a long time we heard the story in the palace. Ça fait longtemps qu'on a eu des histoires dans les palais. The only stories we hear in the palace are the stories of people quarreling and they are looking for somebody to solve the problem. Les histoires que nous écoutons dans le palais sont les histoires de querelles des gens et ils cherchent des solutions. And so Jacob starts like this. Et Jacob a commencé comme ainsi. He says, "Sir, meeting you today is a bonus." Il dit, me vous rencontrez aujourd'hui. "Because as at the time I saw my son." Parce que le temps que j'ai vu mon fils. Is recorded in Genesis chapter 46 verse 30. Il s'est recordé, c'est enregistré dans le verset. "Embracing my son." Quand j'embrasse mon enfant. "I was ready to die." J'étais prêt à mourir. "That I told my son." J'ai dit à mon enfant. "That now I can die." Maintenant je peux mourir. Said, "So I'm living on borrowed time now." Parce que je suis en train de vivre un temps emprunté. Parce que, unknown to you, O King, ne connaissant pas de vous, my life has been full of evil things. Ma vie était pleine de choses mauvaises. There are very, very few things. Il y a peu de choses. That I can celebrate. Que je peux célébrer. And so while I'm celebrating seeing my son, quand je célèbre pour voir mon fils, maybe I should just die. Peut-être que je peux seulement mourir. And Pharaoh said, "No."
Et Pharaon dit, as far as you are still alive, tell us your story. Aussi longtemps que vous êtes vivant, partagez votre histoire. How do I start? Comment vais-je commencer? He said, I'm going to tell you the story in different parts. Je vais vous dire l'histoire dans différentes portions. He said, let me count the years. Je vais compter les années. 130 years is no joke. 130 ans, c'est pas facile. He said, but it is not how much my life has been that matters. Mais savez-vous combien de fois ma vie a été importante? He said, how good has my life been? Combien bon était ma vie? He said, for example, I remember my great 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 grandfather. Par exemple, je me rappelle de mes arrière-grands-pères. His name was Shem. He was alive when I was born. Son nom c'est Shem. Il était vivant quand j'étais né. That man was so old. We were scared to even go near him. Ce monsieur était très vieux qu'on avait peur de l'approcher. He said, the only thing that was strange about the man is that he only kept talking about the flood. La chose qui était intéressante de l'homme, c'est qu'il parlait toujours des troupeaux. When you visit him today, he talks about the flood. Quand vous le visitez aujourd'hui, par les troupeaux. You visit him tomorrow, he talks about the flood. Vous le visitez un par demain, il parle des troupeaux. But I noticed in his character. Mais je remarquais dans son caractère. He always ended by saying the Lord is good. Il termine en disant, Dieu est bon. But I didn't understand that. Mais je n'ai pas compris ça. So there were two other people that were still alive at that time. Il y avait deux autres personnes qui étaient encore vivantes. But we were not close to them. Nous étions très proches d'eux. Two of my great grandfathers are alive. Deux de mes grands arrière-grands-pères étaient vivants. Yeah, but I thank God for two particular people. Je remercie Dieu pour deux en particulier. I thank God for Abraham. Je remercie Dieu pour Abraham. Abraham was alive when I was born. Il était vivant quand j'étais né. Is that that man Abraham? Cet homme Abraham. God bless him wherever he is. Dieu le bénisse partout où il est. He said, he told me stories. Il m'a raconté des histoires. He said, but I didn't believe the stories. Ben, je n'ai pas cru aux histoires. He said, he told me how he waited for 25 years for a child. Et il m'a montré comment est-ce qu'il a attendu 25 ans pour un enfant. I said, in my own 20 years of marriage, I had 12 children. Dans mes 20 ans de mariage, j'avais 12 enfants. Yet, you say you believed in God. I didn't believe in God so much. Et il dira qu'il croyait en Dieu et que moi, je ne crois pas en Dieu. I thought I was better than him. Mais je pense que j'étais mieux que lui. He says, Isaac, my father. Isaac, mon père. He told me that it took 20 years of marriage to have the first child. Il m'a dit qu'il a pris 20 ans de mariage pour avoir un premier enfant. And myself and my brother were the children. Et moi-même et mon frère, nous étions ses enfants. He said, I couldn't understand. Mais je ne pouvais pas comprendre. And this man was godly man. Cet homme créé par Dieu. He said, so I believed I was better than them. Je crois que j'étais mieux qu'eux. He said, but then, my grandfather died at 175. Mon père, mon grand-père est mort à 175 ans. When he was dying, he was a happy man. Moi, je pensais qu'il était l'homme le plus heureux. My father died at 180. Mon père est mort à 180 ans. When he was dying, he was a happy man. Quand il mourait, il était un homme heureux. He said, now I'm about to die. Maintenant, je suis à propos de mourir. Can I say I'm happy? Peux-je dire que je suis heureux? All my children cannot talk to one another. Mes enfants ne peuvent pas se parler les uns des autres. Joseph is separate from everybody else. Joseph est séparé des autres. The only brother I have, l'unique frère que j'ai, Esau. Esaü. We are only brothers by mouth. Nous sommes frères que par la bouche. He says, so king, when I say my years have been 130. Roi, quand j'ai dit que mes années étaient 130 ans. Now you know what I mean. Maintenant vous comprenez ce que je veux dire. Is it the number that I should count? Est-ce les nombres qui doivent compter? He says, so in numbers, I failed. Dans les nombres, j'ai échoué. He said, but look at my son. Mais regarde mon fils. He's only 39 years old. Il n'a que 39 ans. From a very tender age, he understood what I did not understand. Et très jeune, il a compris ce que je n'ai pas compris. From a very tender age, et très jeune, he feared God. Il a craint Dieu. I did not. Je n'ai pas craint Dieu. Oh, from a tender age, this boy. Et jeune âge, ce garçon. When a woman seduced him, he ran away. Quand une femme l'a séduit, il a fui. I didn't need anybody to seduce me. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un me séduire. I was the one that cheated everybody. Je suis celui qui trichait sur tout plusieurs. Said Pharaoh, I hope you are not bored yet. Pharaon, je pense que tu n'es pas encore. Pharaoh said, no, I'm not bored. Je n'ai pas ennuyé. Pharaon dit, je ne suis pas. Said, I hope your soldiers can learn something from this. Je crois que tes soldats peuvent apprendre quelque chose de ça. He said, I hope so. Je crois bien. He said, permit me, okay, look at you. Permettez-moi, oh roi, regardez. You don't know my son from anywhere. Vous ne connaissez pas mon fils de quelque part. Yes, you made him second in command to you. Mais vous l'avez mis deuxième dans votre royauté. Your life has been full of good things. Sa vie a été pleine de bonnes choses. My son's life has been full of good things. La vie de mon enfant a été pleine de bonnes choses. But when I total my 130 years, quand j'ai eu 130 ans,
What my son has done in 40 years, I have not done. Ce que mon fils a fait dans 40 ans, je l'ai pas fait. So then ask yourself, how old are you? Pouvez-vous vous demander vous-même quel âge avez-vous? What can you write about your life today? Que peux-tu écrire sur ta vie aujourd'hui? I told you some time ago. Je vous ai dit il y a longtemps. I said a year is only as good as the events that happen in it. Une année est aussi bonne que l'événement qui s'est produit dans cette année. There are years that most people cannot remember. Il y a des années que beaucoup de gens ne peuvent pas se rappeler. Because they are full of evil. Parce que c'est plein de mauvaises choses. There are years that you can't remember because there was nothing good about them. Il y a des années que vous ne pouvez vous rappeler parce qu'il n'y avait rien de bon dans ces années. But Jacob is here today. Mais Jacob est là aujourd'hui. To let you know. Pour vous faire savoir. That it is not how long the man lives that matters. Ça ne dépend pas de combien longtemps l'homme vit. But what is the impact of his life on other people? Mais quel est l'impact de sa vie sur d'autres personnes? And so Jacob looks at Pharaoh again. Et Jacob regarde à Pharaon encore. He said, I have about different topics I can talk about, sir. Il dit, j'ai différents sujets que je peux parler. So let me tell you a little bit about my young days. Je vais vous parler de ma jeunesse. He said, when I was young, quand j'étais jeune, they called me names. On m'a donné des noms. They called me supplanter. On m'a appelé supplanteur. They called me deceiver. On m'a appelé décepteur. Yes, I lived up to the name. Oui, j'ai livré en fonction de ce Even moi. The one that did not call me, I made sure I lived up to the name. Même les noms qu'on ne m'a pas appelé, je m'ai rassuré. I thought as a young man. J'ai appris comme un jeune. That you needed to get ahead of everybody in life. Pour arriver avant tout le monde dans la vie. Either legally or illegally. Légalement ou illégalement. So I waited for one day. J'ai entendu pour un jour. My brother used to go to the farm. Mon frère allait à la ferme. And I stayed at home. Et je suis resté à la maison. I stayed at home to help mommy. Je suis resté à la maison pour aider maman. And my brother went to the farm to help daddy. Et ma mère est partie à la ferme pour aider When papa. When I think back now, it was like a division of labor. Quand c'était comme une division de. He said, but de one day, mais un jour, he was coming back from the farm. Il venait de la ferme. Doing what he was doing to help the family. Faire ce qu'il faisait pour aider la famille. I was at home. J'étais à la maison. He was hungry. Il avait faim. I took advantage of it. J'ai pris avantage. I thought at that time. J'ai pensé à ce moment. That anything and everybody that is in front was the one that made it. Toute chose qui est avant, c'est lui qui l'a fait. He said, oh, Pharaoh. Il dit Pharaon. I lost my brother for you. J'ai perdu mon père. Because he stopped being my brother that day. Parce qu'il a arrêté d'être, il s'est avéré qu'il s'est arrêté d'être mon frère ce jour-là. We were only two. Mais nous étions que deux. He said, as if that was not enough. Même si c'était pas assez. He said, I'm somebody that is listening to advice. Ça c'est un conseil. Sometimes the advices are bad and I still listen. Par moments les conseils ne sont pas bons, j'écoute toujours. He said, so one day our father said he wanted to bless my brother. Un jour mon père dit qu'il a voulu bénir mon frère. I took advantage of two people. J'ai pris avantage des deux personnes. I took advantage of my father because he couldn't see. J'ai pris avantage de mon père parce qu'il ne veut pas. I took advantage of my brother because he went to the farm. J'ai pris avantage de mon frère parce qu'il est parti à la ferme. And I got the blessings. Et j'ai eu la bénédiction. So after I got those blessings, après que j'ai eu ces bénédictions, they became like curses to me. Et ils sont devenus comme une malédiction pour moi. Because from the day I got the blessings, du jour que j'ai eu les bénédictions, I began to run. J'ai commencé à courir. Oh, if you know Esau. Si vous ne savez, vous avez. If Esau says he will kill you, he will kill you. Si vous connaissez Esaü, s'il dit qu'il va vous tuer, il va vous tuer. A man that can run after cattle and stab the cattle to death. Un monsieur qui peut courir derrière les cartels et les poignarder. He said, so I ran. Il a fou couru. And that was the last time I ever saw my mother alive. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère en vie. He said, oh king. Oh roi. Allow me to talk to the people. Permettez que je parle aux gens. And so Jacob at this stage faced the people. À ce moment, Jacob fait face au peuple. And he says, et il dit, there are some few lessons I want the young people to learn. Il y a quelques leçons que je veux qu'aux jeunes d'apprendre. He said, number one. Premièrement, it is not to him that willeth. Ce n'est pas à. It is not to him that wills. Ce n'est pas à lui la volonté. It is not that runs. Ce n'est pas celui qui court. It is to God what that shows mercy. C'est à Dieu qui fait miséricorde. He said, but I learned that after years of sorrow. J'ai appris ça après des années de douleur. I said, I see that some of you are 15.
Je vois qu'il y en a qui ont 15 ans. Some of you are 25. Il y en a qui ont 25 ans. Some of you are 32. Il y en a qui ont 32 Some ans. Some of you are, but all of you are younger than me. Mais vous tous, vous êtes plus jeunes que moi. You don't have to make it at all cost. Vous ne devez pas payer faire ça à un prix. The people you teach today. Les gens que tu tues aujourd'hui. You lose that relationship forever. Vous perdez cette relation pour toujours. Then let me give you another part of the problem. Je vais vous donner une autre part du problème. After a long time, après un long moment, I decided to reconcile with my brother. J'ai décidé de me réconcilier avec mon frère. And so when my brother heard I was coming, quand mon frère a appris que je venais, my brother came with 600 mighty men. Mon frère est venu avec 600 personnes puissantes. I was scared. J'avais peur. So I divided my family here and my family there. J'ai divisé ma famille ici et là. But it was later I understood. Mais c'était plus tard que j'ai compris. That my brother didn't trust me again. Que mon frère ne m'a pas cru encore. I have cheated him twice. J'ai triché deux fois sur mon grand. And so this time around, he came with his wise men. Cette fois-ci, il est venu comme un monsieur, comme un homme sage. Because he knew that Jacob could be up to no good. Parce qu'il savait que Jacob pouvait faire quelque chose qui n'est pas correct. Then he turned to the crowd. Et puis il regarde au cours. Is there any of you in that kind of circumstance? Certains parmi vous dans ces circonstances. It has taken heart because with time you'll be able to prove that you have changed. Il s'en prend le temps pour prouver qu'on a changé. Out of Esau 600 men, de 600 personnes, vaillantes personnes, de there were people that could read you and know your life. Et il y a des gens qui pouvaient vous lire et savoir si vous en êtes. So Esau brought them. Esau les a amenés. So that Esau protected himself. Pour se protéger lui-même. Then it was sad. It was sad. C'était triste. That for me to meet my brother, he had to bring 600 men. Pour lui de rencontrer son frère, il devait venir avec 600 personnes. Jacob kept on going. Jacob a he said, oh, Pharaoh, when you talk about days to remember, quand vous parlez des jours à se souvenir, I remember the day that God gave me an opportunity. Je me rappelle le jour que Dieu m'a donné l'opportunité. I got to a land. Je suis arrivé dans une contrée. And they promised to give me their daughter. Et on m'a promis. Oh, I worked hard. J'ai travaillé. But I did not know the concept. Mais je ne connaissais pas le concept. That what you reap, you sow. Que ce que vous sémez, vous récoltez. After 7 years, après 7 ans, they gave me the wrong wife. On m'a donné la mauvaise, l'autre femme. As if that was not enough. Comme si c'est pas assez. That man changed my wages 10 times. Cet homme a changé mon revenu 10 fois. But then he comes to the crowd again and says, "Be careful what you do." Il regarde au groupe, il dit, soyez prudents. He said, because your harvest will always be greater than your seed. Parce que votre récolte sera toujours plus importante que votre semence. Then he tells to them that the younger you are, the more time that you have to make amends. Il dit, les plus jeunes que vous êtes, les plus de temps que vous avez pour vous accommoder. So Jacob turns around again. Jacob se tourne encore. Ah, he says, Pharaoh, you are a good man. Il dit, Pharaon, vous êtes un homme bon. He said, you are surrounded by people that give you good advice. Vous êtes entouré des gens qui vous donnent de bons conseils. He said, in my time, nobody gave me advice. Dans mon temps, personne ne m'a conseillé. The only person that gave me advice gave me a wrong kind of advice, and I took it. La seule personne qui m'a conseillé m'a donné un mauvais conseil, à peu près un mauvais conseil, je l'ai pris. He says, Pharaoh, I have many regrets. Il dit, Pharaoh, j'ai beaucoup de regrets. Then after 20 years, après 20 ans, I lost the confidence of my in-laws. J'ai perdu la confiance de ma belle famille. Everywhere I went, something bad was happening. Partout où j'irais, quelque chose de mauvais, etc. And so, he said, so I had to leave. Je devais partir. He said, can you imagine even when I was on the road, they accused me of stealing? Et imaginez-vous, quand j'étais sur la route, on m'accuse d'avoir volé. He said, Pharaoh, I can cheat. Il dit, Pharaon, je peux tricher. I can deceive. Je peux décevoir. Yeah, but I don't steal. Mais je ne vole pas. At that point, Pharaoh had to ask him, what's the difference between stealing, deceiving,
and cheating. À ce point-là, Pharaon lui a demandé quelle est la différence entre voler, tricher et mentir. Jacob said, "Don't let's go there." Il dit, n'allons pas là. So we are talking for the benefit of the young ones today. Nous parlons pour l'importance du jeune aujourd'hui. He looks down. Il regarde dans les He says, "Pharaoh, continue to do good." Il dit, Pharaon, continue à faire le bon. Said in my sojourn, I had only one daughter. J'ai une seule fille. He said, by the time we relocated, the first thing they greeted us with was by raping my daughter. Le temps que nous avons émigré, la première chose qu'on m'a payé avec, c'était violer ma fille. So you don't know what that does to a man. Ça a perdu un homme. Said, before I could say anything, two of my boys killed the whole city. Avant que je ne fasse quelque chose, deux de mes garçons ont tué toute la ville. That I have cheated so many people, I can't count. J'ai triché sur beaucoup de gens, je ne peux pas compter. He said, my father, Isaac. Mon père, Isaac. Oh, he was a wise man. Il était sage. But he died with all the wisdom. Mais il est mort à cause de la sagesse. Because I did not have the time to sit down with him, father to son, to learn. Parce que je n'ai pas eu le temps de m'asseoir père comme père et fils pour apprendre. After the time that I deceived him, that I was who he was not. Après que je l'ai déçu parce que m'étant de présenter de ce que je n'étais pas. Every other time I came to him, he was on guard. Toute le fois que je suis allé vers lui, il était dans tous ses gardes. As he's talking, et quand il parlait, he looks to the right. Il regarde à droite. People are crying. Les gens sont en train de pleurer. He looks to the left. Il regarde à gauche. People are cleaning their eyes. Les gens sont en train de. And so Jacob tells them. Le he said, it is not time to cry for me. C'est pas le temps de pleurer pour moi. He said, now because God has visited me twice. Parce que Dieu m'a visité deux fois. He said, the first time God showed me what God could do. La première fois, Dieu m'a montré ce que Dieu pouvait faire. He said, but I didn't believe it. Mais je n'ai pas cru. He said, another lesson for you to learn is that when God gives you a vision, please believe it. Une autre leçon à apprendre, c'est quand Dieu vous donne une vision. How God is going to make that vision to come to pass is left to God. Comment est-ce que Dieu va réaliser cette vision? Ça ne dépend que de Dieu. It was later that they told me. C'est plus tard qu'on m'a dit. That even before I was born, it had been said that the younger shall be greater than the older. Longtemps avant que je ne sois né, on m'avait dit que les plus jeunes sera plus grand que les plus vieux. I didn't need to scheme. Je n'ai pas besoin de tricher. I didn't need to deceive. Je n'ai pas eu besoin de se voir. But see where I am now. Mais regarde là où je suis maintenant. It says again, Pharaoh. What else can I tell you? Don't even ask me about my children. Ne me demande même pas de mes enfants. Because apart from one of them, I don't have a lot to say. J'ai pas beaucoup à dire. He says one of them is so bad that he went into one of my concubines. L'un parmi eux est très mauvais qu'il a pris l'une de mes concubines. He says another one became an idolater. L'autre là est devenu un. He says, can you imagine? Vous imaginez? I was deceiving people. My children deceived me that my son had died. J'ai décédé les gens que mes enfants m'ont déçu que mon fils est mort. He said, do you know for how many years I carried that story around that my son had died? Savez-vous combien d'années j'ai emporté cette histoire disant que mon fils est mort? And yet it was all a deceit. Alors que ce n'était qu'une déception. He says, let me stop here for a minute. Il dit, laissez-moi m'arrêter là pour une minute. He says, is there any area where you are deceiving people? Y a-t-il un domaine de la vie où vous décevez les gens? He says, it's time to come clean. C'est le temps de se laver. So, if you come clean, it doesn't mean that things cannot be well. But if they find out by themselves, say that is where the problem is. Si vous lavez, ça ne veut pas dire que les choses vont s'accommoder de soi, mais si ça se réalise de soi, c'est là que le problème va arriver. He says, the law of God will never change. Il dit, le Seigneur Dieu ne va pas changer. What you sow, ce que vous sèmez, c'est ce que vous récoltez. Oh, yes, oh, later in my life, I came across God. Mais dans ma vie, j'ai rencontré Dieu. He said, but let me tell you what happened the first time that I met God.
Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé la première fois que j'ai rencontré Dieu. I gave God conditions. J'ai donné à Dieu des conditions. Oh, he recorded in scripture. Oh, il s'est rappelé les écritures. If only God will bless me. Seulement Dieu me bénira. If only God will keep me. Si Dieu me garde. If only God will bring me again to my father's house. Si Dieu me ramène dans la maison de mon père. On those three conditions, then I will call this God my God. À ces trois conditions, je rappellerai dans l'autre, j'appellerai Dieu. On those three conditions. Yes, I will give him a tenth of whatever I need. Je vais lui rendre une action de grâce. See, when I met God the first time, I thought I was calling the shots. La première fois. That don't ever do that. Don't ever do that. Ne fais jamais ça. If you're going to love God, God love God with all your heart. Si vous voulez aimer Dieu, aimez Dieu de tout votre cœur. Don't love God conditionally because of what He's doing for you. N'aimez pas Dieu conditionnellement à cause de ce qu'il fait pour vous. He says, if He decides to do nothing, He's still God. Si il se décide de ne rien faire, il est Dieu. If He decides to do something, He's still God. Si il se décide de faire quelque chose, il est toujours Dieu. If He decides to bless you, He's still God. Si il se décide de vous bénir, il est Dieu. If He decides to withhold His blessings, He's still God. Si il se décide de récupérer ses bénédictions, il est toujours Dieu. That don't ever put conditions on your service to God. Ne jamais conditionner vos services à Dieu. Pharaoh looks at him. Pharaon regarde. And he says, "Is that all for today?" Il dit, est-ce assez pour toujours? He says, "No, I will finish with this part." Il dit, non, je n'ai pas encore fini avec ça. He said, "The second time I met God." La deuxième fois que j'ai croisé, rencontré. That was when I was also in one of my fearful moments. C'est quand j'ai été enfant. That this time God came in the form of a man. C'est cette fois-ci Dieu est venu en une forme d'un homme. And he wrestled with me. Et il s'est bagarré avec moi. And God didn't know that I was just a wrestler. Et Dieu ne savait pas que j'étais un catcheur. He said, but God showed His superiority in that He dislocated my hip joint. Dieu a montré sa supériorité. He said, you see the way I walk, I've not always walked like that. It was during that encounter that a spiritual thing manifested in the physical. He said, at that point, God said, et à ce point, Dieu dit, what is your name? Quel est ton nom? I thought it was strange. Je pensais que c'était. Because this same God is supposed to know my name. Dieu était censé connaître mon nom. But God wanted to give me an opportunity to confess. Mais Dieu a voulu me donner l'opportunité pour confesser. So I had to say my name is Jacob. Je devais dire que mon nom c'est Jacob. I am a supplanter. Je suis un supplanter. I am a deceiver. Je suis un décepteur. I am a cheat. Je suis un. I am a no good. Je suis général de mort. He said at that point. À ce moment-là. God said your name shall no longer be called that. Ton nom ne sera plus Jacob. Just like God is telling people here today. Comme Dieu est en train de dire aux gens aujourd'hui. It doesn't matter what your name might be before you came in here today. Ça ne dépend pas de ce que votre nom peut être avant que vous veniez aujourd'hui. God has sent Jacob to remind you. Dieu a envoyé Jacob pour vous rappeler. That if God could change the name of Jacob, God can change your name. Que Dieu qui peut changer le nom de Jacob, il peut changer votre nom. What is your name? Quel est votre nom? Your name is what you do frequently. Votre nom, ce que vous faites, c'est comment? You lie frequently. Vous mentez, c'est comment? There's a name for that. Il y a un nom pour ça. You steal frequently. Vous volez, c'est comment? There is a name for that. Il y a un nom pour ça. You cheat frequently. Vous trichez, c'est comment? There is a name for that. Il y a un nom pour ça. Whatever you do frequently is your name. Tout ce que vous faites, c'est comment? Et votre nom. If you bring them all together. Quand vous les assemblez. And you say you sin frequently. Et vous péchez fréquemment. There is a name for that. Il y a un nom pour ça. You say, but then God said, mais Dieu dit, your name shall no longer be Jacob. Votre nom ne sera plus Jacob. Just as God is saying that your name shall no longer be a sinner. Comme Dieu dit, votre nom ne sera plus Jacob. God is saying today, I am ready to change your name. Dieu dit aujourd'hui, je suis prêt à changer votre nom. So that just like Jacob, pour que comme Jacob, you can begin to count your years from that day. Vous pouvez commencer à compter vos noms à partir de ce jour. Jacob looked back. Jacob regarde en arrière. And he told the king. Et il dit au roi. He said, "O king." Il dit au roi. All the years I spent up to that time, they were wasted years. Toutes les années que j'ai passées jusqu'au jour que Dieu a changé mon nom étaient des années. He said, but then I finally met with the God of glory. Et j'ai finalement rencontré.
rencontrer le Dieu de gloire. And from that day, I decided that I would change. Et de ce jour-là, j'ai décidé de changer. Yeah, but I had problems. Mais j'avais des problèmes. People didn't believe I changed. Les gens n'ont pas cru que j'ai changé. And so everywhere I went, they kept their pulse. Tout le partout où j'allais, les gens se gardaient. Everywhere I went, they gave me distance. Tout le partout où j'allais, les gens prenaient leur distance. He said, that is why I am ready to die, okay. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir au roi. The shame is too much. La honte est grande. It is better to die. C'est mieux de mourir. And so the king looked at him. Le roi lui regarda. Ah, he said, I'm not a prophet. Il dit, je ne suis pas un prophète. He said, but the way I'm looking at you, that the joy inside you will keep you alive for some years. Que la joie au-dedans de toi va te garder en vie pendant quelques années. Unknown to the king. Non. That was a prophetic word. Que c'était une because Jacob was going to live another 17 years. Parce que Jacob a survécu 17 ans. Now, it changed me. Comme une personne changée. Do you know why I live another 17 years? Vous savez pourquoi il a vécu encore 17 ans? Do you know why God is allowing you to live another number of years? Vous savez pourquoi Dieu vous permet de vivre because pastor? Jacob needed to mend the things that were still mended. Jacob avait besoin d'amender les choses qui étaient amendables. Brethren, are you a father? Êtes-vous un père, frère? You better mend the relationship with your children before you die. Vous devez amender les relations avec vos enfants. Are you a mother? You better bring your children together before you die. Rassemblez vos enfants avant que vous mouriez. It took 17 years. Ça a pris du 7 ans. But when all was said and done, mais quand tout était fait, the Bible says Jacob called all his children together. La Bible dit que Jacob a appelé tous ses enfants. And with the voice that is backed by heaven, et avec une voix appuyée par le ciel, he began to pronounce on them. Il a commencé à prononcer. And the Bible says when he finished, et la Bible dit que quand il termina, he gathered up his feet, il assembla ses pieds, and was able to say, et il était en mesure de dire, I have lived a good life now. J'ai vécu une bonne vie. He was able to say, il était prêt à dire, once I was blind, une fois j'étais aveugle, but now I see the light. Maintenant je vois la lumière. He was able to say, il était en mesure de dire, I have fought a good fight. J'ai combattu le bon combat. He was able to say on his deathbed, il était en mesure de dire sous son lit, it is finished. Il a fini. He was able to say, il était en mesure de dire, that I know the sure thing that where Abraham has gone, I will be there also. Je suis rassuré que là où se trouve Abraham, j'y serai. So now he's asking you, maintenant il te demande, how old are you then? Quel âge as-tu maintenant? How many years have you spent in sorrow? Combien d'années avez-vous pensé dans how many years have you spent running away from God? Combien d'années avez-vous passé fuyant? How many years have you spent deceiving people? Combien d'années avez-vous passé décevant les gens? Jacob is there to tell you. Jacob est là pour vous dire. Jacob was rich. Jacob était riche. But the money was useless. Mais l'argent était inutile. If the money was not useless, it would not have needed to go to Egypt. Si l'argent n'était pas inutile, il ne serait pas retrouvé en Égypte. But then, it is God that makes rich. C'est Dieu qui enrichit, frère. And he has no sorrow. Et il n'y a point de douleur. When you align with God, quand vous vous alignez avec Dieu, you can sleep at night. Vous pouvez dormir la nuit. When you align with God, quand vous alignez avec Dieu, whatever he gives you lasts forever. Tout ce qu'il vous donne demeurera pour toujours. In fact, Jacob said, King, just give me 1 second. Jacob dit, roi, donnez-moi une minute. He said, now I know. Maintenant, je connais that God really had a plan for me. Dieu avait un plan pour moi. He said, let's fast forward. Allons-y de l'avant. He said, the time is coming. Le temps vient. That a group of people are going to gather themselves together. Que les gens vont s'assembler. And they will make my name immortal. Et ils feront de mon nom immortel. And the Pharaoh said, what do you mean by that, sir? Et Pharaoh dit, he said, the time is coming. Le temps est en train de venir. That the Jews of the land of Palestine, que les Juifs de la they will gather themselves together in a year called 1948. Ils vont s'assembler dans une année appelée. And they will say we want our own country. Et ils disent que nous avons notre propre pays. And when they say what is the name of your country, et quand ils diront le nom de leur pays, they say the name shall be called Israel. Et le nom sera appelé Israël. Because God has chosen me before I was born. Parce que Dieu m'a choisi avant que je ne sois né. But I did not know. Mais je ne le savais point. But then God has chosen many of you before you are born. Frère, Dieu a choisi beaucoup d'entre nous. God chose you and placed you where he placed you. Dieu nous a placés là où il nous a placés. Many have run off.
Many have run off. Many have gone astray. But God is saying, come back home. God is saying, let's start counting your years from today. God is saying, all those years may have been evil, but you don't have to die with the evil. God is saying, come now, let us reason together. God is saying, it doesn't matter how much you live. What matters is what legacy your name brings when people mention it. God is saying, will your children drop your name because it's a negative to them? God is asking you. You can live to 100 years old. But if there are not things listed against your name for the good that you have done for the kingdom, the 100 years old is wasted. God is saying, you don't have to live 969 years. You take the example of my son. He said he lived for 33 years. He was active for 3 years. And thank God for John. Because John said, of everything that Jesus did, in 3 years, he said, if they were to be written down, he said, there's no library in the whole world that can contain it. That word was true. And that word is still prophetic today. There is no library in the whole world that has been able to contain all the works that a man did in 3 years. So I ask you again, how old are you? It's a question that you should let sink. Because when it sinks, then you will make up your mind. Then at maintenant vous réalisez that every day I wake up now I live for Christ. Tous les jours que je me réveille aujourd'hui je vis pour Christ. But whether I die for Christ. Que je meurs pour Christ. Whether I eat, whatever I do to the glory of God. Que je mange, qu'est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu. You will stop living for yourself. Arrêtez de vivre pour vous-même. And then your years. Et vos années commenceront à me répondre. Your years will start counting. Vos années recommenceront à me répondre. Brethren, I'm going to ask everybody to bow down their head with me. Je vais demander à tout le monde d'incliner leur tête avec moi. Because we want to pray. Parce que nous voulons prier. You want to be very sincere with yourself. Vous voulez être sincère avec vous-même. Have your days been few but evil? Est-ce vos années est-elle peu mais méchantes? Have your days been filled with memories that you rather erase? Est-ce vos jours remplis de mémoires que vous devez perdre? Oh, there are people you have destroyed their lives with your mouth. Il y a des gens qui ont détruit leur vie avec ta parole. There are people that you have destroyed their relationships by causing division. Il y a des gens que tu as abîmé la relation en causant la division. There are people that are crying in the grave now. Il y a des gens qui pleurent dans leur. And all they are crying is your name. Tout ce qui pleure, c'est votre nom. You have lied. Vous êtes aveugle. You have cheated. Vous avez triché. Even your very existence is a cheat, a fraud. Mais même votre persévérance est une fraude. Brethren, if you fall in any of those categories, I'm just going to ask you to stand where you are. Si vous êtes dans toutes ces catégories, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. We want to pray together today. We'll just stand where you are. Nous voulons prier ensemble. You fall in any of those categories. Vous tombez dans une de ces catégories. You know that if you are to count, vous savez que si vous devez compter, you can count more evil than good. Vous devez compter beaucoup de méchanceté que I'm going to just ask that you stand where you are. Je vais vous demander de vous tenir debout là où vous êtes. Oh, the Bible says that we are surrounded by so great a cloud of witnesses. La Bible dit que nous sommes rassemblés par une. You don't stand for me. There are witnesses all in heaven that know what is in your heart. Vous ne vous levez pas pour moi. Il y a des témoins dans le ciel qui connaissent. Oh, you can deceive the people here. Vous pouvez décevoir les gens ici. But you cannot deceive the witnesses in heaven.
Mais vous pouvez pas décevoir les brothers, for those of you that are watching from home, pour ceux qui voient de la you can also bow down your head wherever you are. Inclinez votre tête partout où vous êtes. And just reflect over your life. I'm going to pray in the next few seconds. Je vais prier dans les quelques prochaines secondes. If there's anybody that wants to stand, I enjoin you to stand before I pray. Si quelqu'un veut se tenir debout, je vous prie de vous tenir debout. Because today, parce qu'aujourd'hui, your life must have a new meaning. Votre vie doit avoir une nouvelle sens. Because today, parce qu'aujourd'hui, when somebody says, "How old are you?" Quand quelqu'un dit, "Quel âge avez-vous?" You should be able to say with confidence. Vous devez dire avec confidence. That yes, few may be the days of my life. Il peut être les jours de ma vie. But yet, mais they are filled with the goodness of God. C'est rempli de bonté de Dieu. Father, we want to thank you. Father, we bless your name because you are good. Thank you, Father, because of your word. Thank you for sending your word to your children. Thank you for allowing your word to change us. Father, glory be to your holy name. My Father, I pray for everyone that is here today. I pray that these words from the lips of one of your children, O Lord, that the words will change lives. That the words will transform lives. In the name of Jesus, everyone that their life is like that of Jacob. Father, today we pray that you touch them. In the name of Jesus Christ, everyone that their life is full of evil, I pray, Lord, that you stretch forth your hand towards men. That, Lord, that you bring them out of the merry clay, that you plant their feet upon the rock to stay. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray, O God, as many that are yet to know you, the Father, that they will know you and they begin to serve you in spirit and in truth. In the name of Jesus, Father, every one of your children, I pray that as their calendar years will come, Father, so shall their years in heaven recorded upon in the name of Jesus. Ainsi sera leurs années récoltées dans le ciel au nom de Jésus. As they go today, quand ils rentrent aujourd'hui, I pray Father that you go with them. Je prie que tu rentres avec I pray God that they will not be the same again. Je prie he that has been cheating, I pray they will not cheat again. Ceux qui twitch, he that has been lying, I pray God that they will not lie again. Ceux qui mentent, ils mentent. He that has been deceiving, I pray God that they will not deceive again. Father, the killers in our midst, Father, we pray, Lord, that they will repent in the name of Jesus. Father, we commit our church into your hands. We pray, God Almighty, that you will release your spirit upon your children. We pray, Father, that there should be a fresh baptism. In the name of Jesus, Father, take them from glory to glory and let your name be glorified. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. In Jesus' mighty name, we have prayed. In Jesus' mighty name, we have prayed.